Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool. Une façon pour un hommage bien mérité à gros général, ça, gros héros, nous qu'a considéré comme un héros dans l'indépendance, parce que c'est lui-même, j'aime te dire là, lui-même qui t'a l'ouvri, tout ça qui a un rapport avec comme hostilité par rapport à la métropole. Rappelez-nous, parce que dans l'idée de tout cette ouverture, il voulait que ni parti qui est la République dominicaine, je dis, ni parti ça qui est l'Haïti, je dis, il voulait tout le monde qui a vécu sous l'île, ça, il était motivé à ce que tout le monde qui a vécu sous l'île, ça, c'est pour vivre libre, libre, et c'est comme ça, nous rappelons tout, il mourit, il quittait yon, pour il quittait une parole célèbre, assez célèbre, quand il dit que même s'il a arrêté, c'est vrai, il a arrêté, mais ça ne peut pas empêcher que Pied-Bois, qui a bourgeonné les affaires et indépendance lui-même, il a continué à bourgeonner parce que racine-lui, est profonde et nombreuse. Et je connais là, je dis à la, nous avons avec nos ministres qui tient à la communication, Pradel Henriquez qui devine un hommage bien mérité. Et au fond foral, monsieur le ministre, matin là au présent pour un hommage à précurseur indépendance. Dis-moi motivation, dis-moi avec qui sentiment. Et nous venons faire geste ça, nous connaissons date ça dans l'histoire du pays d'Haïti, son date qui est assez importante. Ben, en effet, je salue tous les téléspectateurs, tout le monde qui attend de nous, tout le monde qui est sur radio ou sur les réseaux sociaux. Nous rappeler pays, hein, nous rappeler nation que aujourd'hui c'est 7 avril 2021. 7 avril 2021, c'est ça nous a carré un gros jour dans l'histoire d'Haïti. Un jour extrêmement important. Et parce que un 7 avril, même aujourd'hui, c'était en 1803, nous avons un héros qui aurait les Toussaint l'ouverture, qui mourit dans la prison l'ITE, côté où il était déporté en France. Et donc de 1803 à aujourd'hui, ça fait 218 ans. Hein, depuis l'événement, ça a dépassé. Donc c'est jour Lambo. On a célébré aujourd'hui Lambo. Et ce n'est pas n'importe Lambo. Et du coup, nous dit le président paysan, son excellence Jovenel Moïse, il a demandé nous, en tant que ministre culture et communication, et qu'il a pour veiller sur le jour historique, ça yo, sur le patrimoine, nous yo, sur le patrimoine culturel, sur le patrimoine paysan. Sous ancêtre nous tout pour nous venir exercer ça nous les devoirs de mémoire ça donc ce que nous venons faire là son devoir de mémoire ça veut dire un devoir nous gagner pour nous pas oublier joie une obligation nous gagner pour nous pas oublier joie et donc président a demandé nous pour nous venir rendre tout Saint l'ouverture héros ça et hommage ça pour nous venir faire nation songer que aujourd'hui c'est jour ça a été mort. Et il faut nous rappeler que Toussaint l'ouverture, selon un pile historien, il a mouru en 1740. Il y a l'autre qui dit qu'il est mouru en 1740. De naissance Toussaint l'ouverture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mouru 7 avril 1803, donc pratiquement à 60 ans. 60 ans, dans certains cas 63 ans. Il est mouru en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. Là, regardez vie Toussaint l'ouverture côté le sorti et côté le sorti comme petit esclave pour venir dans l'histoire nous dans l'histoire d'Haïti un général un gros général qui gouverne dans toute gros l'armée qu'on connaît l'armée espagnole l'armée anglaise l'armée française. Et bien Toussaint c'est ça Dakar est un monument c'est tous. Faut pas oublier ça il y a un héros qui peut vénérer dans le monde, hein, de Toussaint l'ouverture, presque tout le monde parlait de lui. Et Soupran, par exemple, déjà en Haïti, où il y a tout gros historien, nous, Madiou, Ardouin, et tout historien contemporain, ils sont persuadés par Toussaint l'ouverture. Mais dans le monde, où il y a, Soupran 19e siècle seulement, au monde de Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle, honoré Toussaint. Et Lamartine, d'ailleurs, considérait Toussaint comme une nation. C'est une nation, Toussaint, à lui tout seul. Et Hugo, dans Younan Romanlio, lui figurait Toussaint
Et donc, du coup, vous gagnez ça dans la carrière, il y a un mythe, une légende, et Toussaint Louverture, que Wendell Philippe, qui sont l'autre historien, est considéré comme un peut-être le général qui est plus important même que Napoléon. Hein? Dieu seul sait que Napoléon, c'est ce général français qui est le premier des Blancs. Et Toussaint, à part dans le commentaire au TAP 10, c'est le précurseur de l'indépendance, lui-même était le premier des Noirs. Et donc, ce précurseur de l'indépendance, Toussaint Louverture, aujourd'hui, en séjour, ça a été mort. On est capable de dire que c'est important pour la mémoire ou monde comme ça, parce que l'on a gardé le parcours, l'on a gardé le général qu'il était, le chef qu'il était. Et tout, comme on a parlé de constitution, c'est le père de notre constitution, c'est notre première constitution, celle de 1801. C'est lui qui était ben nous, doté pays à donc constitution. Écoutez, et pas oublier, il y a une plus grosse ambition, c'était rendre pays libre et égal. En 1793, Toussaint Louverture dit, je suis Toussaint Louverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Donc, alors, imaginons, nous sommes au XVIIIe siècle, en plein régime d'esclavage, en plein violence sur... le noir, les noirs, toute sa traite négrière et toute richesse qui fait dans le pays, notamment en Europe. Et au monde de Louis XIV dit que toute richesse que le royaume n'y gagne, il gagne grâce à Saint-Domingue. Et donc, pas oublier Saint-Domingue, c'était un lieu par excellence d'esclavage. Et Toussaint Louverture, tu gagné la prétention, et comme de fait l'Ifel, de d'abolir l'esclavage. Il l'a fait, comme de fait aussi, il est parti jusqu'en République dominicaine, où il a tenté, il a fait abolir l'esclavage. Et on côté en République dominicaine, je dis en voisin, nous, Toussaint Louverture, c'est ça, nous l'avons un monde qui mettait base développement, et qui définit le premier réseau routier dans le pays, ça, qui mettait l'ordre, hein, qui mettait l'ordre d'ailleurs sur toute l'île là. Et c'était un grand homme parce que non seulement, nous avons dit c'est précurseur de l'indépendance, mais c'est précurseur de toute abolition et esclavage fait sous terre. Parce que Toussaint Rêve, c'était non seulement le fin de rétablir l'esclavage dans l'île-là, et même sous-prend même les États-Unis, je veux dire, qui gagnent l'indépendance sur qui sont un gros pays, un gros nation, un gros peuple. Eh bien, Toussaint Louverture sauver les États-Unis dans une grosse guerre avec la France. Hein, parce que lui-même, tout travail qu'il fait dans la colonie, là, il défait tout projet que Napoléon a gagné de régner en Amérique. Et s'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que comme dirait Michel Sardou, qui dit si les Ricains n'étaient pas là, et ben, c'est la même chose. S'il n'y avait pas Toussaint, peut-être que les États-Unis étaient capables de ne pas s'allier là. Donc, c'est un grand homme. Il était important de l'honorer ce matin en tant que ministre de la Culture, comme moi dit. Et nous faisons les jeudi en tout, c'est aussi l'anniversaire du musée du Panthéon National. Fomdou, qui a, il y a au niveau contemporain, il y a un peu l'hommage que rend Toussaint, déjà à partir des années 80. Et où gagne le régime des Duvaliers qui était fait venir de France. Les restes de Toussaint Louverture. Donc, Toussaint mourit en 1803 et ses restes sont arrivés dans son pays en 1983, et des années après. Et en 83, justement, pour coïncider avec la naissance du musée, du Panthéon, qui est ce lieu de tous les dieux, de tous nos ancêtres. Et donc, Toussaint, c'est là, après le fin régné en France. Li régnait tout dans le Panthéon Pali, dans le Panthéon National, Mipana, et anniversaire Mipana justement, c'est jeudi. Hein. Et mon cher Simon, tu es un jour, pas oublier, bon, coïncidence extraordinaire, c'est que j'étais là, j'ai 20 ans, j'étais à la cérémonie, le reste est arrivé, et jeudi, j'ai 56 ans, c'est moi qui l'a, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, au nom de tous les ministres, au nom du chef de l'État, pour nous exercer le devoir de mémoire ça pour un grand homme, pour cette nation qu'on appelle Toussaint Louverture, pour ce héros imbattable. Il y a un pile contradiction en ville Toussaint, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est Toussaint Louverture et que
grâce à lui, peut-être que on pas t'a gagné Saline, peut-être que on pas t'a gagné Christophe. Et c'est dommage et que le son héros ça yo qui était pour nous jodi hein, en pile fois ça nous fait nous dévier, nous dévoyer, c'est ce qu'on appelle des voyous. Et mon voyou a souvent moun yo pas même compte qui ça le dit. Un voyou c'est pas seulement un vagabond, un monde qui a voué roche dans la rue. On voit où sont les gens qui dévoyaient ligne normale, qui traçaient pour lui. Nous avons nos ancêtres qui nous ont laissé ça comme héritage. Nous avons Toussaint qui s'est battu pour une nation. Et de fait, Toussaint nous a laissé une nation et Dessalines a confirmé cette nation le 1er janvier 1804. Nous avons dévoyé tout plan que héros nous ont quitté pour nous. Nous quittons toute route là. C'est ce qu'on appelle un voyou. C'est-à-dire que nous quitter voie normale là, voie que en sept nous quitter pour nous tracer, pour nous créer la donne, pour nous faire un pays qui gagne progrès, pour nous faire un pays qui gagne liberté, pour nous faire un pays qui gagne égalité. Et puis je dis qui ça nous fait, nous n'a pas casé l'autre, nous n'a pas détruit l'autre. Mais c'est extraordinaire aussi pour comprendre crise d'une aujourd'hui hein, il coïncidait déjà si on apprend vie et au sao tout ça et des salines. On va comprendre côté nous sortis dans la même crise, dans la façon Toussaint trahit lui-même pour envoyer en France. L'année 1802 a été une année extraordinaire pour Toussaint. D'ailleurs, il subit une expédition française qui était extrêmement puissante. Il y a près de 70 vaisseaux puissants qui sortis en Europe. Où il y a près de 60 000 soldats et très équipés qui vivaient. Et puis qui ont voulu rétablir l'esclavage parce que Toussaint avait tenté d'abolir l'esclavage justement. Et donc du coup, Toussaint sera trahi et en juin 1802, hein, trahi, nous le savons tous, par ses proches, par ses très proches, par, souvent par ses lieutenants, comme exactement le fait jeudi hein, au 21e siècle. Et puis, il est déporté en France et c'est là, il est envoyé dans un cachot, dans une prison. Hein, et c'est là qu'il va mourir d'une maladie qu'il a ici, qui c'est ancêtre ou synonyme presque de maladie, je veux dire, en maladie cardiovasculaire, ou, côté sang pas circuler dans le cerveau, et puis voilà, ils font crise, et puis ils mourent. Donc, ils mourent tout de maladie poumon, mais l'homme est resté un génie, comme moi dis, l'homme est resté un modèle d'égalité, un modèle de liberté. Hein? Un modèle d'homme que nous tous qui l'a dans la société, un petit monde nous a besoin qu'on ait, qui ça Toussaint est. Parce que l'on dit Toussaint seulement, sous répéter, vous fermez les yeux au moment où on dit Toussaint, et vous sentez c'est la liberté. Merci beaucoup. Et voilà, c'était ministre qui tient la communication qui t'a fait un rappel. Et on se saute dans l'histoire, dans le passé et dans le présent. Et on a rappelé tout pour nous aujourd'hui à son double événement. Côté ces fêtes Musée Panthéon National. Et tout, il faut nous rappeler que aujourd'hui à là, nous capables de vivre présence Timoun, lycée, élève, lycée. Et tout c'est l'ouverture qui est présente là, qui vient rendre hommage à bien mérité. À héros indépendance, précurseur indépendance. Télévision nationale d'Haïti, comme toujours, présent pour aider au vivre. Journée ça, je nous dis là, qui sont journées assez importantes, pour ne pas dire trop importantes dans l'histoire pays d'Haïti. 7 février 1803, 7 février 2021, 218 l'année depuis héros ça, gros combattant ça, messieurs ça, qui était jeté base, qui était mis premier wash là, qui était fait premier coup d'amenant pour te permettre jodi a nous gen pays sacré l'Haïti a. Donc jodi a là ministre de la communication était venu rendre un hommage bien mérité et là c'est monsieur dame et tout personnel dans lycée Toussaint Louverture qui vient déposer un jet fleur dans mémoire gros héros ça dans mémoire gros potérique général ça lui même qui c'est Toussaint Louverture jodi a nous dit qu'il fait 218 l'année depuis le mourir et 218 l'année tout depuis que lui même il était jeté base. Et pour nous capables de gagner indépendance, 218 l'année base pour nous capables de gagner le développement. Mais je dis encore une fois, et Jean-Ministre s'en fait rappel là, dans le bagage qui a passé dans l'histoire, donc c'est qui a répété encore une fois dans le 21e siècle. Et donc c'est le moment pour nous poser question pour nous connaître qui ça a envie, qui ça nous voulait faire, qui côté nous voulait aller. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là.
les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.